Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre page. Si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour activer parce que ce que nous allons découvrir ici, dans nos téléphones, dans nos portables, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Savez-vous que le diable contrôle nos téléphones, nos portables, tout ça? Ah, j'ai du mal à y croire. Mes frères et sœurs, ici, un frère va nous expliquer avec plus de détails combien de fois le diable manipule la technologie pour pouvoir imposer le chiffre 666 dans notre vie. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, faites bien que vous êtes abonné, que ça coche. Et préparez-vous à prendre une note. Vous allez noter aussi, écrit. Même si vous avez un téléphone juste à côté de vous, vous allez juste regarder votre téléphone aussi et voir les chiffres parce que des chiffres seront donnés ici. Et nous essaierons de vous montrer quelques images qui vont aussi vous aider à comprendre certaines choses. Par exemple, cette image que vous voyez là, est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que vous la voyez bien? Regardez cette image-là. On voit tout simplement de petits. On voit Android. Vous voyez des Android avec des zombies juste à côté. Ici, c'est une fonction vraiment très cachée qui se trouve dans Android que cet homme a découvert, qui va nous montrer dans la suite. Que cela vous serve. Retenez bien cette image que nous venons de vous montrer et préparez-vous. Ça va être chaud. C'est un décryptage assez compliqué. 666 dans tous les téléphones du monde, mes frères et sœurs, c'est vraiment un siècle. Écoutons-le maintenant. C'est parti. Bon, regardez maintenant ce que Satan a fait par nos téléphones. Peut-être toi et moi, nous ne les connaissons pas, mais grâce au Saint-Esprit, Dieu m'a révélé, nous connaissons maintenant ce que Satan est en train de faire. Je vous ai dit dès au départ que non. La marque Android, c'est un monde de zombies. Et puis le diable a utilisé les téléphones, c'est pour distraire, c'est pour tuer et c'est pour sceller aux hommes, aux femmes, aux petits, aux grands, le nombre de 666 sans le savoir. Calculons. Quoi? Sérieux? Il y a combien? Si vous calculez bien. Prenez vos portables. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Ça, selon le placement du téléphone. Je sais que là où tu es plutôt, tu as ton téléphone, fais sortir ton téléphone, nous calculons avec toi. Calculons. Deuxième rang, c'est 4, 5, 6. Troisième rang, c'est 7, 8, 9. Voilà, regardez bien. Maintenant, nous allons calculer, moi et vous, ces nombres. De 1, je sais que tu es mathématicien. Regardez ce que Satan a fait. Ce que je vous révèle, ce sont des choses que le diable avait fait cela dans le monde des zombies. Avant que la marque d'Android puisse être publiée dans le monde entier, les téléphones Android, il avait déjà planifié ces chiffrements. Cela va donner 666. Wow. Nous calculons. On y va. Prenons. Premier rang, c'est 1, 2, 3. Mm-hmm. Nous allons additionner. 1. Plus D, cela donne combien? 3. Oui. 3 plus 3, cela donne combien? 6. Oui. Donc, les premières rangées ici, 1 plus D plus 3, cela nous donne 6. Nous gardons 6. Retenez très bien. Nous entrons deuxième. 4 plus 5, cela nous donne combien? 9. Vrai ou faux? C'est ça, j'ai calculé ça. 9. J'espère que vous voyez. Ça y est, ici. L'ingénieur est notre va. Cela nous donne combien? 9. Et puis, nous prenons maintenant 9 plus 6. Cela nous donne 15. Nous écrivons 15. Nous séparons 15 plus 5. Plutôt 15, nous les séparons, nous les mettons virgule, 1 plus 5, cela nous donnera 6. Donc, la deuxième rangée nous a donné 6. Je répète le calcul. 4 plus 5 nous donne 9. 9 plus 6 nous donne 15. Nous prenons les 15 là, nous les transformons en virgule. Cela nous donne 1. 5. Maintenant, nous l'additionnons. 1 plus 5, cela nous donne 6.
Le diable a caché cela, frère. Cela donnera 6. Maintenant, troisième rang, nous prenons 7 plus 8. Cela nous donne combien? 7 plus 8, cela va nous donner 15. Hein? Cela va nous donner 15. Hein? 7 plus 8, nous allons calculer. Maintenant, nous prenons. Nous prenons. 7 plus 9. Nous prenons maintenant 15 plus 9. Hein? Okay, 15 plus 9, cela va nous donner 24. C'est ça, je sais que vous êtes en train de voir. Maintenant, nous prenons ces 24-là, nous les transformons en virgule. Cela va nous donner 2,4. Maintenant, nous l'additionnons. 2 plus 4, cela nous donne 6. Regardez. Wow. Oh, bien-aimé. Regardez, bien-aimé. Vous avez vu comment maintenant nous avons trouvé les nombres d'hommes. Selon l'Apocalypse 13, verset 18, vous avez vu ça? Là où la Bible nous dit, celui qui aura de l'intelligence devrait calculer le nombre de la belle. Cela donnera 666. Je vous dis, partout vous verrez les nombres là. Même si vous voyez les nombres de 666 dans vos habits, il ne faut jamais porter. Dans vos quêtes, il ne faut jamais porter. Dans vos assiettes, il ne faut jamais porter. Dans vos cuillères, il ne faut jamais porter. Parce que le nombre là, c'est un nombre de Satan. Et aujourd'hui, dans nos téléphones, le diable nous a placé le nombre de Satan qui est de 666 dans nos téléphones. Mais personne les connaît. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous révèle aujourd'hui, comme je suis sentinelle, je n'ai pas voulu cacher cette vérité. Je voulais divulguer que non, dans nos téléphones, il y a déjà le nombre de la bête qui est de 666. Maintenant, regardez ce que Satan fait. Il a caché cela. Personne ne devait savoir. Il a caché pour que toi, tu ne les connaisses pas. Maintenant, si maintenant on t'appelle, il y a un monstre, il s'appelle Halloween. Halloween, c'est un monstre communicateur. Il vit sous l'eau. C'est un monstre qui vit sous l'eau. Il vit avec des léviathans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tel que tu es là, le diable contrôle le monde téléphonique, le monde de la communication cellulaire. Le diable contrôle cela. C'est comme le téléphone contient les 666, le diable aussi. Donc, il connaît, il surveille. Il détecte toutes nos conversations, toute conversation du monde entier qui se passe par les téléphones. Le diable connaît ça. Il connaît par comment? Il connaît par les nombres que je vous ai calculé ici, les nombres de la bête qui est de 666. Maintenant, quand on t'appelle, tu reçois un appel, tu décroches le téléphone. Si seulement tu prends le téléphone, tu le mets ici, dans ta main droite. Si tu n'es pas fort spirituellement, automatiquement, le nombre là de 666 sera scellé sur ton front et sur ta main droite, invisible, sans que tu le saches, à partir des téléphones. Donc, tu es scellé, invisible, sans que tu le saches. Le nombre de la bête qui est de 666. Si tu décroches le téléphone par l'oreille ici, allô? Directement, tu as été scellé spirituellement de 666 par ton front et puis par ta main droite. Frères et sœurs, il y a des cela aujourd'hui, des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont morts spirituellement. Auparavant, ils étaient forts dans la prière. Mais ils ne comprennent pas, ils sont devenus des mous dans la prière, des poules mouillées dans la prière. Ils sont devenus froids dans la prière. Ils ne comprennent pas. Des péchés que tu refusais, aujourd'hui tu commences à aimer. Tu ne comprends pas. Des boissons que tu refusais, aujourd'hui tu commences à boire. Aujourd'hui tu commences à fumer, à se prostituer, à être menteur, courir des jupons, prostituer, criminel. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que le diable t'a déjà eu par le téléphone. Tu as déjà les marques de la bête. C'est pour ça aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, il y a trop des incrédules parce qu'ils ont été déjà scellés par les nombres de 166. Frère, si seulement tu as caché cette marque, en aucun jour tu accepteras l'évangile de Jésus-Christ. Regardez comment nos vies sont devenues aujourd'hui. Frère, tu peux gagner toutes choses de la terre. Tu peux gagner les avions, tout. Mais si tu perds seulement ton âme, frère, tu es fini. Oh my God. Tu es fini, mon frère qui m'écoute. Si tu perds ton âme, tu es fini. Regardez ce que Satan fait. Bien-aimé, maintenant, comment le diable surveille nos conversations? Il surveille nos conversations par un démon. Il s'appelle Halloween. Je vous montre. Allô. Halloween, c'est un démon.
C'est un démon, je l'ai noté ici. Il vit sous l'eau. C'est un monstre que Satan a donné le pouvoir de circuler, de suivre toutes nos conversations par téléphone. Aujourd'hui, peut-être tu peux avoir un projet qui te donnera beaucoup d'argent demain, mais tu ne comprends pas. On t'a appelé avant 3 jours de cette rencontre pour que tu inquiéris du projet. Tu ne comprends pas les jours où tu devrais aller pour inquiérir de ce projet. Tous ces projets ne marchent pas. Tous ces projets échouent. Pourquoi ces projets échouent? Tu n'as pas même relaté à qui que ce soit, ni à ta famille, ni à tes collègues, ni à tes amis, ni à ton pasteur. Mais tu n'as pas compris pourquoi tu as échoué par ces projets. Tu as raté cette bénédiction à partir de cette conversation dont tu l'as parlé. Les diables avaient pris les démons qui s'appellent Halloween. Halloween, c'est un démon qui surveille toutes nos communications du monde entier. Et dès que tu acceptes les téléphones, peut-être on t'appelle, tu prends les téléphones, tu décroches en acceptant allô. Dès que tu dis allô, automatiquement tu fais allusion à cet démon, à ce monstre au nom de Halloween. Halloween va maintenant capturer toutes vos conversations et toutes vos conversations sera affiché dans l'écran géant de Lucifer dans la troisième monde. Et dès que Lucifer a su déjà votre conversation, il envoie maintenant les démons pour intercaler votre projet, votre rencontre, votre bénédiction, votre vie. Frères et sœurs qui m'écoutent partout dans le monde entier, je sais que vous m'avez suivi, ce que je vous ai dévoilé ce matin. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais décrocher ton téléphone par l'oreille droite, jamais. Il ne faut jamais décrocher ton téléphone par l'oreille droite. Ne le faites pas. Et il ne faut jamais décrocher ton téléphone en acceptant l'homme par un allô. Non, n'utilise pas les mots allô. Utilisez même oui ou bien shalom. Quand la personne t'appelle, décroche, dit shalom. Ou bien oui, je vous écoute. Il ne faut jamais dire allô. Si seulement tu dis allô, automatiquement, Halloween prendra contrôle de votre conversation. Il combattra votre conversation. Il combat la personne qui vous a promis et il va faire échouer votre plan. Tu as échoué, tu as raté une somme que tu attendais. Frères et sœurs, regardez Satan. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le diable vient que pour détruire. Le diable aujourd'hui, il est en train de détruire la vie humaine. Frères, le monde de téléphone, c'est un monde commandé par les zombies. Pourquoi Satan a utilisé les zombies? Pourquoi Satan a mis la puissance des zombies par nos téléphones Android? C'est pour détruire l'être humain. La nature des zombies, la zombie n'a pas pitié de l'homme. Les zombies n'ont pas pitié de votre âme. Dès que les zombies vous attrapent, frères et sœurs, bien-aimés, il tuera votre âme jusqu'à la mort. Il vous tuera spirituel parce que nous avons que des morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont déjà morts spirituellement. Aujourd'hui, si vous voyez des gens qui n'acceptent pas Jésus comme nos frères musulmans, comme nos frères témoins de Jéhovah, comme nos frères qui n'acceptent pas Jésus Christ tant que Dieu, frères et sœurs, automatiquement, ils sont déjà tués par le monde de zombies. Aujourd'hui, ce sont des zombies qui sont en train de détruire. C'est pour cela que les diables avaient compris. Il faut que j'utilise la puissance des zombies par les téléphones. Aujourd'hui, le téléphone a beaucoup de succès dans la vie humaine. Aujourd'hui, un homme, une femme, s'il n'a pas un téléphone, il ne se sentira pas à l'aise. Tout a des téléphones, tout a des belles téléphones, des gros téléphones, des téléphones tellement beaux. Frères et sœurs, tu ne sais pas pourquoi le diable a permis que nous ayons ça. C'est pour nous contrôler. Aujourd'hui, le diable nous a contrôlés par des zombies. C'est pour ça que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Ne me dis pas, mais prophète Ézéchiel, pourquoi est-ce que nous n'allons pas utiliser les téléphones? Est-ce que nous n'allons pas vraiment, frère, naviguer par les téléphones? Non, frères et sœurs, le diable avait pris cette intelligence au ciel. Il a fabriqué cela. Nous devons utiliser, mais apôtre Paul dit, priez pour toutes choses. C'est pour cela, moi je suis qu'un sentinelle, je vous dis la vérité. Maintenant nous allons entrer par l'exercice pour découvrir les dessins des zombies, pour découvrir les cachets des zombies dans nos téléphones. Je sais que vous serez étonnés, je sais que vous aurez peur là où vous êtes. Je vous donne cet exercice. Prenez vos téléphones Android, prenez avec moi. Prenez vos téléphones, moi j'ai un téléphone Android. Je venais déjà de calculer les chiffres. Maintenant, je suis en train maintenant
de faire sortir le monde Android. Prenez vos téléphones. Quand vous prenez vos téléphones, nous entrons. Ouvrez vos téléphones. C'est comme je viens d'ouvrir. J'enlève d'abord la clé. Comme ça. Maintenant, dans les téléphones Android, nous sommes avec vos téléphones Android. Entrez par ce que c'est dans les paramètres de. Entrez dans les paramètres. Là où on a écrit paramètres. Entrez là où on a écrit paramètres. Donc, ouvrez vos téléphones. Cherchez là où on a écrit paramètres. Donc, paramètres de votre téléphone. Quand vous entrez, ça c'est les premières procédures. La deuxième procédure, cherchez. Nous sommes en train de dévoiler les cachets des zombies dans nos téléphones. Et vous et moi, nous allons découvrir les zombies dans les téléphones. Pour vous assurer que ce que je vous dévoile aujourd'hui, c'est une vérité. Maintenant, entrez, deuxième volet, entrez là où on a écrit « à propos du téléphone ». À propos du téléphone, premier volet, entrez dans les paramètres, cliquez. Dès que vous cliquez, directement, il y aura un affichage. Cherchez maintenant l'affichage, plutôt les paramètres dont on a écrit à propos du téléphone. Si vous voyez cela, cliquez encore comme je viens de cliquer. J'ai cliqué, je sais qu'un général Nord est en train de voir très bien, de zoomer, j'ai cliqué. Maintenant, il y a beaucoup des affichages. On a écrit mise en jour logiciel. État du téléphone, utilisateur de la batterie, mention légale, dictatiel système, on a écrit numéro du module, on a écrit version Android. Maintenant, vous et moi, nous allons appuyer, cliquer sur les versions Android. Et puis, écoutez-moi, ici, nous n'allons pas à cliquer une seule fois, nous allons à cliquer plusieurs fois vers les versions Android. Je répète, vous allez commencer par paramètres, premier volet, vous ouvrez le téléphone par paramètres, vous cliquez par paramètres. Ça, s'il s'agit des anciennes versions de chez Android, ça marche avec les anciennes versions de chez Android à partir de 3, 4 et autres. Après, vous allez voir la fiche. En fait, quand vous appuyez sur Android version dans votre portable, il y a quelque chose qui apparaît comme ça. Est-ce que vous voyez, par exemple, ici, il y a un Android 8, c'est un Android Oreo. Et Android Oreo apparaît que lorsque nous appuyons plusieurs fois sur Android version dans les réglages, voilà, à propos, ça apparaît comme ça, et ça, c'est Android Oreo. Et pour un Samsung Galaxy Note 8, par exemple, qu'on a ici, mise à jour sur Android 9, nous aurons Android P. Nous allons vous montrer directement Android P. Comme vous le voyez, settings, ça veut dire réglage. Voyez-vous, settings. Est-ce que vous voyez? Voilà. On va directement dans à propos. Aussi, information logicielle. Vous allez voir, il y a One UI. Android 9. Bon. One UI et Android version. Version Android. Quand vous appuyez, c'est ce qui apparaît. Android P. Avant qu'on appuie, on fait comme ceci. Au lieu que ce soit un truc simple comme ça qui apparaissait, c'était plutôt des choses assez compliquées que nous allons découvrir même ici. Écoutons-le d'abord et nous allons vous montrer ces images. Des paramètres. Maintenant, vous allez chercher les paramètres là où on a écrit sur à propos du téléphone. Dès que vous cliquez vers à propos du téléphone, vous allez voir les affiches. Maintenant, vous cherchez là où on a écrit version Android. Nous allons découvrir le monde des zombies, moi et vous. Là maintenant, notez bien là. Voilà, c'est la version 2. Vous allez cliquer. C'est la version 2.33 d'Android qui a tout simplement l'information que nous allons monter par la suite. Plusieurs fois, vous cliquez dessus plusieurs fois vers la version Android. Je clique. Comme ça, tu vois. Et génial, tu es en train de filmer, tu vois. Je clique vers version Android. Hein? Ok. Plusieurs fois.
Vous avez vu quoi? Zombies. Vous avez vu ces zombies? Vous l'avez vu? Vous avez vu ces décès? C'est cela que je viens de vous dire. Que le diable a utilisé la puissance des zombies par les téléphones. Maintenant, qui devrait maintenant connaître les grands secrets sorcellerie qui magique que Satan a mis dans nos téléphones? Personne. Maintenant, ces zombies ici ont quel rôle? Les zombies, ils ont le rôle de capturer nos âmes, de tuer nos âmes, de manger notre foi vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, de nous détruire. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent les téléphones. Ils sont admirés quand on lui achète un téléphone neuf. Mais ils oublient que dans les téléphones, il y a la puissance des zombies. Regardez comment les Satan a placé ses dessins zombies. Et puis les dessins ici zombies, cela typifie la puissance de la destruction. Maintenant, nous allons appuyer cela plus rapide avec vous. Appuyez, j'appuie. J'appuie, je maîtrise. Vous allez voir. On a écrit quoi? Regardez. On a écrit zombie pour vous dire qu'il y a la puissance des zombies. Attends, zoomer. Qui a vu? Zombie. Ingénieur, non, tu peux lire ça? Zombie quoi? On a écrit? Zombie. Zombie et. Zombie. Bite Jack Jackson. Zombie et bite like Jackson. Vous m'avez donné raison. Zombie. Frères et sœurs, vous m'avez donné raison. Regardez, zombie. On a écrit zombie. Zombie art by Ed Nation. C'est-à-dire, c'est là. C'est-à-dire, celui qui a fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été dessiné par quelqu'un. C'était là, façonné par quelqu'un. Et c'est ce qui a été positionné comme ça. C'est ce que veut dire zombie art by Nation. Regardez. Zombie. Cela veut dire que les zombies que vous voyez, Lucifer en a placé pour détruire les âmes de ceux-là qui ont besoin de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plein de gens ont abandonné la foi. Tu ne sais pas pourquoi la fatigue de la prière sont infiltrées dans ton âme. Pourquoi les faiblesses de la prière sont infiltrées? C'est parce que le diable est taillé à partir des téléphones. Il ne faut pas accuser les sorciers de ta famille. À partir des téléphones, le diable peut t'avoir. Regarde, j'appuie. Zombie. J'appuie. Zombie. Le diable a placé le monde des zombies. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible le monde des zombies? Où Dieu nous a dit que le monde des zombies est bon? Allez demander les magiciens. Le monde des zombies est satanique. Mais le diable nous l'a placé dans les téléphones. Est-ce que c'est seulement dans les téléphones il y a zombies? Même il y a certains jeux qu'on appelle, par exemple, il y a certains jeux d'âmes qu'on voit la plupart du temps. Allons un peu, cherchons, mes frères, prenez vos portables. Allez sur Internet et tapez Fortnite, un jeu populaire. Il y a un mot dans ce jeu populaire-là qui s'appelle zombie. Cherchons ensemble. Écrivons Fortnite, là nous allons sur Google. Allez juste sur Google. Fortnite. Dès que vous écrivez et vous voyez un mode directement, et ce mode-là s'appelle le mode zombie. Et regardez ça. Regardez vous-même. Est-ce que vous comprenez? Là, ça devient réel. Prenons encore une autre image. Vous êtes encore à bien comprendre pour voir que c'est pas de la blague. C'est réel, hein? Et les zombies sont pratiquement partout. Regardez ça encore. Est-ce que vous voyez? C'est pas seulement ça. Dans les jeux d'âme aujourd'hui, il y a une partie, un mode qui est appelé le mode zombie. Regardez. C'est ici qu'on commence à s'alarmer, à comprendre pourquoi il y a des démons dans les jeux vidéo. Enfin, c'est la marque du diable, encore la présence du diable. Le diable nous montre qu'il est là. Au travail de tout ça, de la technologie, un peu partout. Même allons encore prendre un autre jeu. Peut-être vous allez dire que c'est seulement ça. Vous avez monté pour un autre jeu, comme Call of Duty. Call of Duty. Et nous allons voir un mot aussi qui s'appelle zombie. Regardez.
Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Allez sur Google. Je vais chercher, je vais le voir. C'est pas de la blague. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi il y a la tonalité. Pourquoi il y a plein de démons aujourd'hui dans les jeux vidéo. Pourquoi on tue matin, midi, soir. Pourquoi il y a des crimes. Pourquoi le sang verse dans les jeux vidéo. Et quand on parle de téléphone mobile, vraiment, ça fait, commence à devenir grave. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Qui n'a pas de portable ici? Réagissez. Regardez. Vous voyez Call of Duty. Vous voyez? Regardez bien. Vous ne pouvez pas nous voir en même temps. Regardez, mais regardez ça. Call of Duty Zombie. Vous voyez? Voilà, là vous commencez à comprendre que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Et on a besoin vraiment de se réveiller, de découvrir les secrets. J'ai pu appuyer plusieurs fois, zoomer, plusieurs fois, il y a que zombie. On a écrit zombie. Et puis on a écrit un nom d'un démon. C'est un nom d'un démon, il s'appelle Jack Laxi. Jack Laxi, c'est un démon. D'où vient ce démon? On dit zombie, hat by Jack Laxi. Bon, Jack Larson, mais what? Et ce nom, on dit, donc ça veut dire que zombie, là, de zombie qui est ici, a été fait par Jack Larson, c'est-à-dire par le démon là. Donc c'est le démon là lui-même qui l'a fait. Ce démon vient par Lucifer. C'est lui que le diable l'a placé dans nos téléphones pour nous contrôler. Waouh! Oh mon Dieu, regardez le nom d'un démon. Mon Dieu, je sors, je sors, je sors. Je peux répéter pour énième fois, pour que vous le compreniez. Vous entrez par les paramètres pour découvrir les marques de la bête des zombies dans nos téléphones Android. Entrez, paramètres, cherchez. Là, on a écrit à propos du téléphone, logiciel. Tu cherches maintenant. Là, on a écrit version Android. Tu cliques plusieurs fois. Zombie est sorti. Quand tu cliques, zombie. C'était la version de Android version 2.3.3 que vous verrez sur Zombie. Sinon maintenant, pour la dernière version de chez Android, c'est Android Pi. Regardez, comme P comme ça, ça a changé. Vous voyez, il y a eu des mises à jour. Donc, ce sont des informations qui ont été là, juste et qui continuent à se propager même dans d'autres domaines, comme on vous a montré des jeux vidéo, la présence des zombies, donc ce sont des démons. Donc, tous ceux qui jouent aux jeux vidéo où il y a les zombies, vraiment, vous êtes en train de vous allier à ces démons-là. On a même écrit zombie. Quand tu cliques, zombie. Que Dieu bénisse. Mes frères et sœurs, vous avez vu ça? C'est assez inquiétant. Vous avez vu ce que nous avons découvert. Pour réaliser cette vidéo, nous avons dû utiliser nos trois portables. Ça, c'est le deuxième. On allume, on va essayer de l'allumer rapidement. Voilà, ça c'est le deuxième. Le troisième, lui c'est le Samsung Galaxy Note 8, il est plus récent. Celui-là c'est le Samsung Galaxy Note 3, il est ancien. Et celui que nous tenons dans la main, c'est le premier téléphone que nous avons utilisé pour commencer la vidéo sur Yanceborn. Nous utilisons la caméra. Mes frères, c'est toutes ces choses, ce sont des instruments. C'est indispensable. C'est des choses que nous utilisons pour communiquer, même pour recevoir des appels. Mais quand on nous dit que quand tu décroches le téléphone en disant allô, c'est un problème, ça veut dire que toi, désormais, quand tu vas recevoir des appels, il ne faut plus dire allô, parce que allô va te connecter à Halloween, qui est un démon. Ah, si tu comprends. Donc toi, désormais, tu dois dire quoi? Tu dois chercher autre chose. Tu dois lui dire, par exemple, oui, et décrocher par l'oreille gauche et non par l'oreille droite. Qui savait toutes ces choses? Moi, franchement, je ne savais pas. C'est un des nouveaux témoignages qui sont en train de venir comme ça, comme nous l'avons promis. De nouveaux témoignages à cause arrivent. Il y aura des mises à jour, il y aura des choses qui vont changer. Le diable change tout, oui. Ce n'est plus cette image bizarre là qu'elle a, ça a changé aujourd'hui. Ce n'est plus ça, ce n'est plus cette image assez étrange que vous voyez. Halloween avait les trucs comme ça, c'est maintenant comme ceci. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est caché derrière? Nous avons vraiment besoin de savoir toutes ces choses. Ça a été mis à jour, ça a changé. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les jeux vidéo, on voit des mots de jeu qu'on appelle zombie, le mot zombie. Si c'est là, nous allons nous réveiller et chercher à comprendre concrètement ce qui se passe dans ce monde. On ne te demande pas de détester, de jeter ton portable, non. Mais il faut te mettre dans la tête que le diable veut nous contrôler.
et introduit dans tout ce que nous utilisons sur la terre déjà la marque 666 pour nous préparer déjà à entrer dans les problèmes. Si tu vois que tu es trop accro à ton portable, que à cause de ton portable, tu peux même t'énerver contre quelqu'un, fais attention, il y a un démon qui te contrôle à ce niveau-là. C'est là maintenant tu vas analyser ton comportement pour voir est-ce que sans ton portable, sans Instagram de ton portable et tes messages, toutes ces choses. Regardez comment les femmes sont contrôlées par le diable. Elles sont là avec les téléphones portables, message. Tu passes plus de temps dans ton appareil que dans la prière. Tu ne peux même pas, tu ne cherches même pas Dieu. Quelle découverte ce soir, mes frères et sœurs. Réfléchis bien sur ta vie et que Dieu t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner, c'est nécessaire pour ne pas manquer les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir. De deux mois puissants vont venir. Franchement, c'était inquiétant ce que nous sommes en train de voir. Ce que tu viens de voir, partage à quelqu'un, ça va l'aider. Ça va lui permettre également de ne plus dire Halloween ou encore Allo et aider les problèmes après. Quelle histoire!